Tiananda, bonjour à tous et à toutes, ici Srinidhya Mitrananda. Je vais juste vous partager en quelques mots, quelques instants, la chance d'avoir un gourou dans votre chemin, dans votre vie, votre chemin spirituel. Quand on parle du yoga, yoga en réalité dans un sens existentiel, c'est l'union entre ton être, le soi qui est attaché à le corps ou les choses, disons, matérielles, ce qui m'appartient, et puis le soi cosmique, qu'en réalité, tout l'univers nous appartient, comme une conscience qui existe à travers de tout. Donc cette union, laisser le petit soi et pour s'ouvrir un soi beaucoup plus grand, cette union, c'est ce que l'on appelle yoga. Donc, avoir un maître spirituel, c'est simplement quelqu'un qui a déjà passé par ce chemin et puis qui peut te guider pas à pas. Donc, beaucoup de gens ils vont peut-être dire, j'ai pas besoin d'un gourou, j'ai pas besoin d'un maître spirituel, moi je vais par moi-même. Tu peux le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Combien d'années ou combien de vies est-ce que ça va te prendre pour aller dans les parties les plus subtiles de l'ego, et puis justement enlever le voile de l'ego pour s'ouvrir à un soi cosmique, un soi qui est universel, qui n'a aucune limite, qui est la conscience pure. Donc c'est un chemin tellement subtil qu'avoir un maître spirituel, un gourou réel, un vrai gourou, c'est la plus grande bénédiction, la plus grande chance que vous pouvez avoir dans votre existence, dans toute votre vie. Et puis, moi, je l'ai vécu dans ces dernières années que j'ai connu à Paramahamsa Nityananda. Et puis, je veux juste avoir une gratitude infinie pour la vie, l'univers, d'avoir eu la chance de connaître un vrai gourou dans cette vie. Et non seulement l'avoir connu, mais de suivre ses instructions pour à en arriver à cette réalisation cosmique de notre existence, au-delà du corps, au-delà de nos croyances, au-delà de toutes les idées qu'on peut avoir de nous, qu'en fin de compte, sont simplement au niveau mental, parce qu'on l'a appris au niveau mental, et le reste, on peut l'imaginer, on peut le visualiser, mais pour avoir vraiment l'expérience de Shivoham, de la conscience cosmique, eh bien, c'est un bond tellement subtil, mais tellement important, qu'avoir un gourou, avoir quelqu'un qui peut nous guider dans ce règne cosmique, c'est essentiel. Je crois que c'est la seule façon que je peux exprimer la chance d'avoir un gourou. Et puis, si vous avez la chance de connaître un gourou, un vrai gourou, eh bien, suivez votre cœur, suivez pas juste votre mental, suivez ce que le cœur vous dit, ce que votre être vous dit, et puis ouvrez-vous justement à la chance d'avoir un gourou dans votre vie. Donc, sur ce, merci pour avoir écouté cette petite vidéo aujourd'hui, et à la prochaine. Nityanandam.